Ah, c'est quand même mieux dans ce sens-là. Mamma mia! Salut à tous, c'est Vinka. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien et que vous avez passé un joyeux Noël rempli de magie et que vous allez passer une bonne Saint-Sylvestre. Il faut que je sorte cette vidéo avant le jour de l'an, sinon je vais avoir l'air un peu bête quand même. Bon, en tout cas pour toi, Willy, est-ce que le Noël était bon? Est-ce que tu as passé un bon Noël? Tu parles, ça fait plusieurs semaines que j'ai une guirlande autour du cou, ça me gratte. Enfin bref, ce n'est pas le thème de la vidéo aujourd'hui, puisqu'on est là pour se... divertir. Et oui, le but de cette vidéo, ça va être de vous retourner le cerveau. En effet, on va regarder des images, et ces images, normalement, vont nous retourner le cerveau. Faudra s'y prendre à deux fois pour les regarder, mais voyons ça ensemble. Ah, c'est parti. Alors, ce principe, c'est la régie qui l'a trouvé. Elle a trouvé ce fameux site internet 24/7 Mirror. Connais pas du tout. En tout cas, 47 photos étonnantes qui font que l'on y regarde à deux fois. Et ben, on va voir si vraiment on va y regarder à deux fois. Par contre, je rassure, on va pas faire les 47 photos, ce sera beaucoup trop long. Non, il y aura un petit montage quand même, ce sera plus sympathique pour toi. Vous avez vu la tête que j'ai fait? Bah c'est justement ça le but de ces photos, c'est de s'y reprendre à deux fois. Mais le chien, on dirait qu'il a deux têtes là. Ah, c'est pas un chien par-dessus l'autre? Oui, bah là j'avoue c'est troublant. Parce qu'à mon avis, il y a deux chiens l'un sur l'autre, l'un devant l'autre. Ou alors c'est vraiment un chien à deux têtes. Je sais pas. C'est ça le but de ces photos, c'est qu'on perde la boule, monsieur. Mais oui. Ah, ça y est. Je viens de capter. On dirait qu'il a un corps de meuf, mais non, en fait, lui, il est assis, puis la fille, elle a la tête derrière sa tête, en fait. Et du coup, on voit le corps. C'est nul quand j'explique, non? Oh là là. L'effet est incroyable. L'effet est incroyable. On dirait vraiment qu'il y a une sorte de... Je sais pas, c'est quoi comme bestiole, ça? Un babouin, voilà, tout simplement. Un babouin, on dirait qu'il y a un babouin géant qui essaye de taper la voiture. Mais non, en fait, il est sur le pare-brise et ça fait un effet de perspective très intéressante. T'as remarqué comment j'ai dit perspective? Eh, ça faisait très professionnel, moi, je trouve. J'avais pas vu. Je n'avais pas vu. On dirait qu'il lui manque une jambe. Mais lui manque une jambe. Je ne comprends pas. Limite, on dirait vraiment qu'elle a qu'une seule jambe, quoi. C'est ouf. Mais par contre, je vois pas, elle est où, l'autre jambe? Je sais pas. Si toi, tu le sais, bah n'hésite pas à le dire dans la section commentaire. C'est trop cute. C'est trop cute. Et c'est deux chats, en fait. Deux chats l'un sur l'autre, mais comme ils ont posé leur tête l'une sur l'autre, on dirait que ça fait un seul chat, en fait, à deux têtes, et les autres pattes doivent être de l'autre côté du canapé. Ah, celle-là, j'ai compris. Oh my god. Oh mais oui. C'est énorme. C'est un truc de dingue. En fait, on a l'impression qu'elle est en lévitation. C'est un effet d'optique, en fait, tout simplement. C'est clairement un effet d'optique. Mais non, en fait, devant, il doit y avoir un drapeau tel qu'on voit derrière, avec l'Europe, s'il vous plaît, l'Europe. Et en fait, il y a l'ombre du drapeau, ce qui fait qu'on dirait que c'est l'ombre de la plaque. Et avec l'effet du micro, c'est énorme. L'effet de perspective est hallucinant. Les effets de grossissement, tout ça, le bébé il doit être sur son père pour le coup, puis on dirait qu'il a des pieds mais énormes. La pointure 46, ça au moins je dirais, pas loin. Hein. Mais c'est énorme et on voit que derrière quelqu'un n'a pas fini son verre. Attention à pas le renverser. Oh. Une nouvelle espèce, nous avons découvert une nouvelle espèce. Le poisson bras. Avec la main, bien entendu. Le poisson bras. Si un jour vous le pêchez, celui-là, vous devenez multimilliardaire. Ça, je vous le dis. Ah, celle-là, elle est flippante. C'est flippant. Surprise. Après le poisson bras avec main, nous retrouvons le chien avec une tête humaine. En fait, ça va être un truc d'horreur. Cette vidéo divertissement va être clairement un truc d'horreur. Je suis sûr, tout comme moi, le regard n'a pas été attiré par la tête et le buste qui ressort, le dos qui ressort.
Non, non, c'est sur les fesses, gros pervers, va. Tu es un pervers, je le dis, moi. Alors, on est obligé de regarder ça au début. Apparemment, c'est son gamin qui est sur le dos. La mère a envie de faire bronzette. Et le gamin, bah, comme d'habitude, ouais, bah, moi, j'ai envie de jouer ou je m'ennuie, laisse-moi tranquille, je sais pas quoi faire et tout. Puis, bah, du coup, il a fait dada sur maman. Voilà, globalement, c'est ça, c'est clairement ça. Et du coup, bah, ça fait une posture très bizarre. C'est creepy. C'est creepy. Déjà, on peut noter la souplesse de la jeune femme sur le devant avec cette drôle de position en col de cygne, j'ai envie de te dire. Oui, c'est la position en col de cygne. Puis l'autre qui regarde la photo pile poil derrière, on dirait que ouais, il y a qu'un seul corps pour deux têtes, c'est assez affolant. La photo est magnifique, je sais pas quoi dire tellement que je bug. Par contre, on voit le cul du mec. On l'aurait pas vu, ça aurait fait encore mieux. On n'aurait pas vu le cul du mec, et bah ça aurait fait encore mieux. Ah, oh, mon dieu. Oh. Oh. Que t'es laid. Que t'es laid. Oh là là, on voit le nez du papa de derrière. Et les lunettes, ça doit être pour le petit, en fait, qui porte, en fait. Mais on voit le nez et la bouche qui ressort. Et comme l'inclinaison de la tête est pile poil, ça se fond dans l'autre visage. Ah, que t'es moche. T'as un gosse comme ça, t'es obligé de dire qu'il est moche. T'as pas le choix. Non, mais c'est énorme. Avec le reflet, on voit le t-shirt et le short bah, dans la vitre. Et comme il y a le singe derrière, on dirait qu'il est habillé pareil. Et son frère, ces deux-là, c'est pas possible, on peut pas faire autrement. Il y a un petit air de ressemblance. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais le reflet est incroyable. On dirait vraiment que le singe est habillé. Et limite, comme le singe a le bras levé et lui aussi, bah, ça fait nickel, franchement, ça fait super. Par contre, c'est quoi ce que t'as sur ta manche? Le truc orange, là? Ah, tu l'as sali ou c'est pour flouter la marque? Pareil, photo incroyable prise. Après avoir trouvé le chien à la tête humaine, voici la femme avec la tête de chien. Mais on voit des espèces bizarres dans ces photos, c'est impressionnant. Waouh, la photo, l'angle est parfait. Je me répète depuis le début, je dis que ça, que l'angle est parfait. Mais là, c'est hyper troublant. Surtout que bah, y a une sorte de petit collier comme si qu'elle avait voulu se faire belle, tu vois. Non, c'est assez flippant. C'est très flippant comme photo. Ah, c'est creepy à souhait. Waouh, celle-là m'a fait bugger. Je te jure, celle-là a fait bugger. Hein. C'est ça qu'on veut voir. C'est des photos comme ça qu'il faut bugger. Celle-là, elle est incroyable. Elle a le pied. La main, elle doit être, je sais pas, elle doit l'avoir posée sur son pied. Et du coup, bah, ça se confond parfaitement. Et on a l'impression que sa main, c'est son pied. C'est affolant. Je me rends compte quand j'explique que c'est encore plus affolant, je trouve. Mais c'est impressionnant. Celle-là, elle me stupéfait. Ah, elle est trop bien faite. T'imaginerais avoir des pieds à la place des mains? Ça ferait carrément chelou, en fait. Pour attraper les trucs et tout. Non, je suis en train de m'imaginer des trucs trop bizarres. Non, on passe à la suivante. Ah ouais, d'accord, ok, ça y est. C'était le temps que ça réfléchisse, en fait. Par contre, l'appareil photo est incroyable pour avoir pris ce moment-là pile poil alors qu'il n'y a pas d'effet de flou ou de mouvement. En fait, j'ai l'impression qu'elle était en train de sauter. Elle a fait la petite pause en sautant, puis en fait, on dirait vraiment qu'elle est assise, accroupie plutôt sur l'eau, en fait, sur la piscine. C'est trop marrant. C'est trop marrant, mais ça, c'est une photo incroyable. Tu prends une photo comme ça, t'as réussi ta vie. Je peux rien dire de plus. T'as réussi ta life. Je crois qu'à la base, c'était pas ça qui devait être pris en photo. Non, 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 je crois que c'était pas ça. On est d'accord, tout se passe derrière. Je pense que le papa voulait prendre au premier plan son enfant avec sa maman, je pense, hein, je suppose. Je suis que dans les suppositions. Mais derrière, c'est pile poil, le mec, on peut le dire, a un très beau cul. La photo est magnifique. Le moment est parfait. Ah ! Ah ! Ah ! Comment t'as fait pour trouver un collant avec trois jambes, toi? Vous rendez compte, c'est la question que je me pose. C'est honteux. Je me pose cette question, comment t'as fait pour trouver un collant?
C'est impressionnant. Il y a quelqu'un derrière, c'est obligé. Mais on la voit pas du tout, pourtant elle est menue comme nana, franchement. Et on voit pas derrière qu'il y a quelqu'un. Mais quelqu'un qui serait comment à genoux? J'ai du mal à comprendre, en fait. Ah, trois jambes, ce serait bizarre, c'est très flippant quand même. Non, j'arrive pas à comprendre. J'ai beau réfléchir, mon cerveau, il a bugué. Je me suis dit, quand je l'ai vu au début, je me suis dit, ça sent ça coupé au montage. Mais non, ça va. Ce n'est pas une vidéo pornographique, ce n'est pas ce genre de choses. Non, tout va bien. C'est le rétro, le mec, il est torse nu et il a pris une photo de sa femme, qui est très mal cadrée, hein, faut dire. On se demande ce qu'il a voulu prendre en photo, ou alors il a voulu vraiment en faire exprès pour faire la blague. Mais en plus, l'effet d'ombre au niveau du cou est pas trop mal, en fait. Ça donne plutôt bien, juste à l'angle du rétro. Mais va t'habiller, bordel! Fais quelque chose! Là, ça mérite le Peggy 18. Peggy 18. Je comprends pas ce que je vois, mais c'est un peu bizarre. C'est torride d'un côté, c'est... Oh, c'est le siège! Oh, ça m'a fait flipper, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils mettent comme photo? On est d'accord, on a l'impression qu'elle écarte les jambes. On est d'accord. Comme le siège est de la même couleur que sa peau, j'ai vraiment eu l'impression que ça écarte les jambes. Mais c'est bizarre parce que une fois que tu la vois, t'as compris en fait, tu revois plus ce que t'as vu au début. J'arrive plus à revoir comment j'avais vu qu'elle écartait les jambes. Je voyais qu'il y avait un Ah oui, ça y est, là je revois, ça y est. Ouais, c'est bizarre. J'avais vu qu'il y avait un problème sur la jambe de gauche parce que j'avais vu ses deux jambes en premier temps. Mais en fait, l'effet du siège fait que, on a l'impression que c'est une photo un peu coquine, on va le dire, hein, on va pas se cacher, hein. Ouais, franchement, elle est pas mal celle-là, j'aime beaucoup. Encore de la nudité. On est d'accord, on dirait qu'elle a les fesses à l'air. Faut le dire, faut être franc au bout d'un moment, faut être honnête. On dirait qu'elle a les fesses à l'air. Mais c'est quoi exactement? Ah, c'est son bras, c'est le pli de son bras là. Mais oui, puis on dirait vraiment qu'elle a les fesses à l'air. Ce n'est pas la photo la plus valorisante de toi quand même, je tenais à te le dire, c'est pas très valorisant, mine de rien. C'est très troublant de voir ça. Non, j'ai cru qu'elle était à poil. C'est un truc de dingue. Elle est trop bien, cette photo. Il en devient tout rouge, dis donc. J'ai vraiment cru qu'elle était nue, en fait, derrière. Pareil, c'est pas très flatteur, hein, mine de rien. Mais non, en fait, c'est le bras de l'autre dame qui est un peu costaud, on peut le dire quand même. Un tout petit peu costaud, elle a bien mangé à la cantine. Mais en fait, du coup, ça donne vraiment l'impression que celle de derrière est totalement nue et qu'elle vient se coller justement pour prendre la photo. Waouh, celle-là, elle est ouf. Celle-là, elle est clairement ouf. Oh, comment je bug sur celle-là, c'est impressionnant. Ah, l'effet est incroyable. On dirait vraiment que le mec, c'est une sorte de nain ou je sais pas quoi, qu'il a des tout petites jambes et qu'elles sont allongées sur la fille. C'est hallucinant. En plus, il a une pose tellement naturelle. Là, je suis bien. C'est impressionnant. Je l'adore, cette photo. Elle est trop bien. Ah, oh, l'effet d'optique est incroyable. Quoi? Elle a des bas de la même couleur. Elle a des bas de la même couleur, regardez, ça fait effet caméléon. Du coup, on dirait qu'elle n'a pas de jambes, en fait, qu'elle est vide, en fait. Un fantôme? On voit des trucs très étranges dans cette vidéo. Oh, celle-là, elle est creepy, putain. Elle est trop creepy. Il l'a décapité. Oh, mon Dieu, comment t'as fait? Comment vous avez fait ça, vous? Comment ça a pu rendre ça? Je ne comprends pas la photo. Sa copine est derrière et il y a quelqu'un devant. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre comment elle a été prise, la photo. Ah, ça donne un effet tellement creepy. Encore une fois, si t'as compris dans les commentaires, vas-y. Tu peux te lâcher, hein, fais-toi plaisir. Mais moi, là, j'ai pas compris. Je bug. Vous savez à quoi ça me fait penser, cette photo-là? Ça me fait penser à un vieux dessin animé qui s'appelle Micha Michien. Un extrait? Bah voilà, ça me fait penser à ça. C'est bizarre parce que on dirait qu'il y a qu'un seul chien, mais avec deux têtes. Alors qu'on est d'accord, c'est deux chiens vu qu'il y a deux laisses. Une laisse qui est accrochée au harnais du premier, et la laisse après qui est accrochée au premier, encore une fois. Alors je ne m'attendais pas à faire des trucs aussi dingues.
J'espère que toi, t'as kiffé, en fait. C'est marrant de voir les effets de perspective et des photos aussi incroyables. D'ailleurs, si t'as des photos où il y a des effets d'illusion comme ça, n'hésite pas à me les envoyer sur mes réseaux sociaux, que ce soit bah, plutôt en privé. N'hésite pas à me les envoyer, je serais intéressé de voir ça, puis à les commenter, ça pourrait être drôle. En tout cas, ce petit moment de détente m'a fait beaucoup de bien. J'espère que à toi aussi, t'as fait du bien. Et si c'est le cas, et si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et à s'abonner à la chaîne Vinka tout en activant la petite cloche. Je le répète inlassablement, mais ça aide énormément la chaîne et ça permet de développer et de créer encore d'autres projets. Donc, je compte sur toi. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures gaming, unboxing, divertissement ou pourquoi pas live. Surtout que n'oubliez pas, bah oui, comme d'habitude, je suis en live tous les vendredis soirs, 21h30 sur la chaîne Twitch Vinka. Et ponctuellement, bah voilà, de temps en temps en semaine ou voilà, de temps en temps ça bouge un petit peu. Mais pour cela, il y a le planning que tu pourras retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Donc, n'hésite pas à me follow. Je vous souhaite encore de passer une merveilleuse Saint-Sylvestre. Attention à l'abus d'alcool, c'est dangereux pour la santé. Et faites attention à vous et à vos proches, c'est très important. En attendant, je vous dis, portez-vous bien, éclatez-vous bien, geekez bien. Et amusez-vous à fond pour la Saint-Sylvestre. Et on se retrouve à la nouvelle année. C'était Vinka. Ciao. Bye bye.